Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur une œuvre dessinée, une BD, Le Jardin secret de Maud Béjon, que j'ai eu la chance de rencontrer en dédicace. Alors pour la petite histoire, je me baladais dans la librairie de BD et de manga où je vais habituellement, et ça faisait plusieurs fois hein, que je voyais ce livre. Et en fait, j'adore le vert et les couleurs, le dessin me plaisait énormément. Et je me disais, ah, il faut vraiment que j'achète cette BD, vraiment bien. Puis au bout d'un moment, j'ai vu que eh bien, l'auteur, enfin l'autrice, serait en dédicace. Et là, je me suis dit, ah, bah, c'est bon, c'est pour moi, j'y vais, quoi. Et en plus, ça a été ma première dédicace, donc j'étais super contente de saisir l'occasion. Donc voilà, j'ai eu une dédicace, mais tellement, tellement. Je vous montre, hein, mais voilà, ça c'est toute la dédicace. Donc c'est-à-dire que tout ce dessin-là, toute cette partie-là, voilà, ça a été fait spécialement pour moi, devant moi, à l'aquarelle. Et sincèrement, c'est trop beau, quoi. Genre, je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment. Je vous remontre, hein, mais vraiment, c'est trop beau. C'est le rouge-gorge. J'adore les rouges-gorges. Donc voilà, c'est moi qui ai demandé à avoir un rouge-gorge. Au début, je savais pas trop, mais voilà. Et puis, c'est très printanier, c'est très joli. Donc voilà, j'étais vraiment conquise. L'autrice et la dessinatrice est super, super gentille. On a un petit peu discuté, tout ça. Donc voilà, ça, c'est le tome 1. Il y a le tome 2 qui va sortir et évidemment je vais me le procurer. Et il faut savoir que Le Jardin secret de base est un roman, donc de Frances H. Burnett, et donc un roman anglais hein, qui a été adapté en BD, et je pense qu'il y a eu aussi un film dessus, au moins un. Et ce que j'aime bien, vous voyez, c'est sur la couverture, c'est il y a une rouge-gorge, des petites plantes et une clé, enfin voilà. Et donc c'est super, là le dos de la BD est comme ça. Donc franchement, je la trouve géniale, trop jolie. Donc pour vous lire la quatrième de couverture, après la mort de ses parents aux Indes, Marie est recueillie par son oncle toujours absent dans un sombre et étrange manoir perdu sur la lande anglaise. C'est là que Marie découvre les indispensables bonheurs que procurent l'amitié et la nature grâce à un mystérieux jardin secret. Donc voilà, moi déjà, rien que le titre, Le Jardin secret, j'étais tout de suite à fond. Je me suis dit, ah, trop bien, le jardin secret. Bon voilà. le mystère, tout ça, c'est super. Et donc voilà, donc je l'ai lu depuis. Hein, et j'ai été très ravie de l'avoir acheté, de l'avoir eu en dédicace, tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment super. Donc pour vous montrer un petit peu, je ne sais pas trop, je vais vous montrer un peu les dessins. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez, ça se présente un peu comme ça. Donc c'est assez sympa hein, les dessins. Alors je crois, elle dessine à l'aquarelle, mais là pour la BD, elle l'a fait au pad numérique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un pad numérique. Donc voilà, c'est tout fait à l'ordinateur, mais les couleurs rendent bien. Ça fait vraiment aquarelle. Les brushes sont sympas. Et donc voilà, et là il y a le rouge-gorge, trop bien, qui chante et tout. Moi j'adore les rouges-gorges. C'est vraiment un oiseau, je trouve, avec toutes ces couleurs, quand on le voit, on est tout de suite content. Mais j'en avais déjà parlé, hein, mais ouais, j'aime trop les rouges-gorges. Donc voilà. Alors au début, Marie est totalement insupportable. C'est vraiment un personnage, je pense, qui a vécu en fait la mort de ses parents, hein, parce qu'ils sont morts du choléra. Et vraiment, on voit à sa tête, enfin là, je sais pas si vous allez voir. Alors, c'est là. Là, elle a vraiment une tête. Elle fait la tête et tout, elle est jamais contente. Elle exige toujours plein de choses, elle aime personne. Enfin, c'est vraiment une enfant difficile. Et donc voilà, elle est vraiment insupportable. Enfin voilà, grâce aux gens qui vont l'entourer petit à petit, ça va aller mieux. Et donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, il y a vraiment un gros contraste hein, au niveau des dessins. Donc je vais vous montrer un petit peu au début. Les dessins, ils sont très, très, moi, je dirais un peu
horrifique, enfin, c'est vraiment un peu horreur. Là, c'est ce qu'elle imagine par rapport au choléra et tout. Voilà, c'est des couleurs un peu verdâtres, etc. On a son arrivée, c'est tout gris, c'est tout moche, c'est tout gris, tout horrible. Et puis, en fait, quand Marie, au début, elle va être un petit peu toute seule, elle va se débrouiller, elle va sortir dehors, elle va rencontrer un jardinier, enfin, ils vont parler ensemble, elle va se développer avec tous les domestiques qui prennent soin d'elle, en fait, et notamment l'une d'elles. Et ensuite, elle va rencontrer Dicon. Dicon, j'imagine qu'il s'appelle Dicon. Et en fait, ça va complètement évoluer dans les couleurs. En fait, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs plus chaudes, plus printanières, vraiment, vraiment très jolies, parce qu'on voit qu'elle s'épanouit petit à petit, en fait. C'est ça. Et c'est un peu l'histoire d'une petite fille qui est livrée à elle-même, qui a vécu des choses peut-être pas faciles, qui a survécu au choléra aux Indes, et qui va se retrouver dans un manoir un peu glauque, un peu bizarre, avec un oncle qui lui parle pas, qui a l'air triste, qui est pas là, on sait pas trop. Et petit à petit, elle va s'ouvrir au monde, et de fillette insupportable, elle va devenir un peu plus responsable, un peu plus resplendissante, parce qu'elle va rencontrer le rouge-gorge, qui va devenir son amie. Et ça, c'est vraiment trop, trop mignon, cette scène-là, je trouve. Où en fait, donc là, elle est avec le jardinier. Ici, et il y a le rouge-gorge qui apparaît. Et le jardinier, ils sont en train de se présenter un petit peu. Il fait: Ah, c'est toi alors, la petite venue des Indes? Ben oui, je suis Marie Lennox. Et vous, vous êtes qui? Moi, c'est Ben Weatherstaff. Et je suis tout seul, moi aussi. C'est bien le rouge-gorge, mon seul ami. Moi, j'ai zéro ami. J'en ai jamais eu. C'est trop triste. Et ben, j'en connais un qui voudrait bien être ton ami, moi. Oh, il est revenu. Donc là, elle parle du rouge-gorge. Et là, elle fait: Oh, vraiment? Il veut être mon ami? Genre, il veut être ami avec moi, genre. Et après, elle le regarde, elle fait: Tu veux être mon ami, toi? Et genre, c'est trop, trop mignon. Et en fait, on voit que petit à petit, elle prend des couleurs, elle prend vie. Et ça se voit vraiment au niveau du dessin, de quelque chose de sombre, avec une mine complètement comme ça. Elle passe à quelqu'un de souriant, d'éclairé. Et ça, c'est vraiment un joli travail, je trouve, au niveau ouais, de l'esthétisme. Et puis on a, voilà, des scènes comme ça où il y a le rouge-gorge, et il y a l'enfant qui court derrière: Ah, attends-moi! Et elle est contente, elle est heureuse, ça se voit. Et donc voilà, petit à petit, c'est vraiment de l'ouverture. Et surtout qu'il y a cette histoire de jardin secret. Et c'est un jardin qui, en fait, a été fermé à la mort de la femme de son oncle. Et parce qu'avant, il passait énormément de temps dans ce jardin-là. Et quand elle est morte, eh bien, il a fermé le jardin, et il n'a plus été rouvert. Et en fait, donc Marie, elle va s'emparer de cette problématique-là. Elle va finir par trouver la clé et la porte aussi du jardin. Elle va pénétrer dedans, et là, elle va décider, en fait, de jardiner et de prendre soin de ce jardin, parce que voilà, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Et donc, c'est là que son amie Deacon entre en scène. Et je sais pas si on dit Deacon ou Deacon, mais bon, on va dire Deacon parce que anglais, donc voilà. Et ouais, je vous l'ai déjà montré, mais sincèrement, celle-là de planche, elle est vraiment jolie, avec toutes les fleurs, et les deux enfants qui sont juste heureux, en fait. Donc voilà, et Deacon, il est très proche de la nature, très proche des animaux. Il a apprivoisé un renard. Et voilà, et c'est vraiment super. Et il y a des choses aussi que j'adore dans cette BD, c'est tout ce qui tourne, en fait, autour des jeux d'enfants. En fait, on a Marie qui est toute seule dans un grand manoir, et elle fait: Mais moi, sincèrement, vous me mettez toute seule dans un grand manoir pareil, en fait, hein, c'est... Donc en fait, il y a toutes des scènes comme ça où, en fait, elle rentre dans des pièces, et où elle se dit... Genre, par exemple, il y a une pièce avec des draps, elle fait: Oh, un salon de fantômes! Filons avant de les réveiller! Et qu'est-ce qu'on trouve par là? Oh, un ours polaire géant pour Deacon! Un poulet de course pour Deacon! Un renard arctique pour Deacon! Quel vénard, ce Deacon! Puis après, ça me rappelle un peu, pour ceux qui... Enfin, je pense que vous allez connaître, mais dans La Reine des Neiges, au bout d'un moment, il y a Anna, elle s'ennuie, et c'est exactement le même délire, en fait. C'est, voilà, elle voit un portrait, elle fait: Ah, enchantée, monsieur, madame, fille! Et puis après, elle met un chapeau de pirate sur sa tête,
Puis elle a amené avec elle un éléphant en figurine, et là elle retrouve ton téléphone, elle fait oh Herbert, parce qu'elle lui a donné un nom forcément. Herbert, on a retrouvé ta famille. Enfin voilà, et du coup elle est à fond, elle est vraiment à fond dedans, et c'est trop génial. Enfin moi j'ai trop aimé. Et pareil, une scène où en fait je pense que c'est une gouvernante, je sais pas exactement, je m'en rappelle plus. Alors elle s'appelle Martha, et je pense que c'est peut-être juste une servante, en fait elle s'occupe de la maison et en même temps elle s'occupe un peu de l'enfant. Mais en tout cas oui, c'est pas une femme qui a été embauchée pour s'occuper d'elle. Je pense qu'elle s'occupe plus de la maison de façon générale. Et en fait, sur ses économies, elle a fini par lui acheter une corde à sauter. Et là c'est pareil, je trouve que c'est vraiment trop bien. Genre la gamine, elle va s'amuser avec sa corde à sauter, juste à essayer de faire 100 sauts, etc. Ça va l'occuper pendant longtemps. Et là on a ouais Martha qui saute à la corde et qui est super joyeuse. Là, c'est tellement bien son expression, je trouve. C'est super cool. Et donc voilà. Et donc la petite Marie, au début, elle a vraiment du mal à s'exprimer, à dire merci. Et donc elle fait: Martha, ces 2 pence, c'était ton salaire. Sois assurée de ma sincère reconnaissance. J'étais là, mais waouh! Ah, donc voilà, et là elle fait ah, il y a un instant j'ai cru que t'étais devenue une fillette normale, mais en fait t'es toujours le même petit corbeau bizarre qu'à ton arrivée, qu'elle lui dit. Enfin voilà, et c'est vraiment vraiment chouette. Et il y a des paroles d'enfant aussi que j'ai bien aimées. Donc ça c'est vers la fin, et elle découvre le fils de son oncle. Alors personne ne savait qu'il était là avant, mais elle le découvre. Et là c'est pareil, c'est vraiment très très coloré. Moi ça me fait vraiment penser un peu au génie, au djinn et tout. Enfin c'est vraiment ça, c'est très très joli. Et donc au bout d'un moment, il lui pose la question, tu viens d'où? Et là elle répond, bah ma chambre. Et moi c'est trop drôle parce que c'est un peu le genre de réponse un peu bête que je peux fournir à quelqu'un qui me demande exactement la même question. Parce que je sais jamais quoi répondre quand on me demande tu viens d'où. Bah je sais pas, tu veux savoir où est-ce que je suis née, où est-ce que j'ai vécu, d'où est-ce que je viens là tout de suite, est-ce que tu veux savoir de la pièce d'où je viens, est-ce que, enfin voilà, où est-ce que j'habite maintenant, dans quel pays j'ai été. Enfin je me pose trop de questions je crois, mais en tout cas quand j'ai lu ça m'a fait rire parce que je me suis dit bon, en fait on dirait moi quoi, gamine un peu. Donc voilà, et c'est cool. C'est une histoire qui se passe en 1900, 1910, 1911 par là. Et ouais, c'est vraiment sympa. Et du coup, ça m'a vraiment rendue curieuse par rapport au roman. Je sais pas si je pourrais le trouver, mais voilà. Et ouais, encore une fois, cette dédicace super belle, vraiment, voilà, je ne peux que aimer. Ça m'a vraiment rendue heureuse pour le reste de la journée, en fait, d'avoir ce dessin tellement joli. Je suis rentrée chez moi en regardant le livre ouvert comme ça, pour pas que les pages se collent. Et vraiment, je suis super, super contente. Donc voilà, c'est vraiment une belle trouvaille. J'ai été vraiment heureuse de rencontrer l'autrice et dessinatrice. Et voilà, donc voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de le prendre. Je pense que c'est une BD qui peut convenir à des enfants ou à des adultes. Il n'y a pas de souci. Vraiment, j'aime bien. C'est vraiment, ça aborde aussi des thématiques intéressantes. Et c'est assez merveilleux, c'est assez fantastique. Alors je sais pas, je dois avoir un truc avec les jardins, mais bref, voilà. J'ai beaucoup aimé, c'était sympa. Donc voilà, et bien bonne journée, bonne soirée, et puis à une prochaine fois.